Bonjour Steve. Bonjour Anne-Sophie. Bon, ravi de te retrouver dans ce cadre nature. C'est plutôt sympa. Hein, on aura peut-être la visite de quelques animaux au passage. Ça tourne pas mal autour. On est à l'affût. A priori, on a bien rangé nos câbles, mais c'est possible que ça passe par là. C'est possible que ça passe par là. Donc. C'est aussi le charme de l'endroit. Exactement. Donc, écoute, je te remercie déjà. Déjà d'être là avec moi et puis de venir me parler un petit peu déjà de ce que tu fais et puis précisément de l'EFT parce que moi c'est quelque chose que je découvre. Alors j'en avais déjà entendu parler, j'avoue que j'avais pas trop accroché avec cette méthode, je pense peut-être parce que je la comprenais pas trop et surtout je savais peut-être pas trop comment l'utiliser. C'est là où tu vas peut-être pouvoir me dire, d'ailleurs avec l'expérience qu'on a eue ce matin, d'ailleurs je te soupçonne d'avoir fait venir le frelon. C'est ça. D'avoir ouvert la porte au frelon pour rentrer dans la cuisine. Oui. Écoute, c'est vrai que l'EFT, pour beaucoup de gens, c'est pas forcément très clair comme technique. Donc EFT veut dire Emotional Freedom Technique. Donc, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, bien, ça veut dire technique de libération émotionnelle. Et il se trouve que donc je suis praticien dans cette technique-là. Je fais aussi de l'hypnose, je suis osérologue. Tu sais, j'aime bien utiliser ce terme-là parce que j'accompagne les gens à oser être et vivre une vie qui fait envie. Mais l'EFT est l'un des outils que j'utilise très souvent prioritairement, puisque souvent ce qui nous empêche d'oser et qui nous sépare de la confiance en soi aussi, ben c'est justement nos peurs, nos craintes de ne pas plaire, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec et plein d'autres peurs. Et puis si après on va un peu plus du côté des peurs dont toi tu as vécu ce matin par exemple, ben là c'est les phobies, etc. Et avec l'EFT, on va pouvoir faire un travail sur les émotions. Très clairement sur les émotions, parce que c'est vrai que souvent, tu sais, souvent en cabinet, je reçois des personnes qui me disent « j'ai travaillé sur moi ces dernières années » et je ne sais pas, je prends un exemple, par exemple pour le deuil, tout simplement. Je travaille sur moi, sur ce deuil-là, et puis le fait de réévoquer ce deuil, finalement les émotions reviennent, remontent. Et on se rend compte qu'elles ont travaillé certainement d'un point de vue, on va dire, pas tant intellectuel, mais analytique peut-être. Donc elles ont compris comment se fait le processus de deuil. Et évidemment, il faut du temps, etc. Et donc ça va mieux. Mais donc on réévoque le souvenir, hop, boum, ça remonte. Et parfois, c'est très inconfortable. Et en EFT, ce qu'on veut, c'est travailler en profondeur. Parce qu'on a tous beaucoup lu de livres, beaucoup fait de formations. On comprend les choses de façon rationnelle. Mais d'un point de vue émotionnel et de façon à expérimenter ce que l'on vit et ce que l'on doit vivre, parfois c'est plus difficile et l'EFT pour ça c'est vraiment bienvenu. Oui, voilà, c'est vrai que quand tu sais pas vraiment d'où vient, t'as beau avoir des fois faire. Alors la phobie c'est encore autre chose parce que c'est quelque chose tu sais même pas d'où ça vient. Moi j'ai essayé plein de trucs, y compris l'hypnose, etc. Mais j'ai peut-être certainement pas assez persévéré là-dedans, mais. C'est vrai que si je reprends mon expérience de ce matin, bon, rien que le fait d'avoir un accompagnement, c'était rassurant. C'est vrai que j'y ai déjà pensé. Le faire tout seul, c'est pas forcément évident. Là, on parle encore de quelque chose qui a rien de rationnel, évidemment. Ouais. Non, évidemment, mais quelles que soient les peurs qu'on doit affronter, finalement, c'est quand on y est confronté qu'on se rend compte que tout le travail qu'on a fait avant, on se dit, bah mince, il est passé où en fait quoi. Ça me remonte et je le maîtrise pas du tout. Ouais. Et c'est vrai que ce que j'ai apprécié moi, c'est vrai que c'est tombé comme ça, c'est l'exercice qu'on a fait ce matin, j'ai trouvé rassurant d'avoir finalement une porte de secours, un truc à faire au moment où le truc se produit en fait. Ouais. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très très nouveau, vraiment très nouveau. C'est d'autant plus important que quand tu fais de l'EFT, l'une des façons de le faire, en tout cas, c'est de le faire en situation. Donc, quand tu as un frelon qui rentre dans la cuisine, ou une souris pour ceux qui sont allergiques ou phobiques aux souris, ou n'importe quelle que soit la situation dont on dit qu'elle est phobogène, mais ça peut être une angoisse, ça peut être une anxiété, ça peut être la crainte d'appeler quelqu'un, ça peut être toutes ces genres de situations en fait où on ressent un stress, une anxiété ou une peur. Et là, pour le coup, d'avoir l'EFT, effectivement, on se sent un peu moins démuni et on va pouvoir faire ce travail-là. Donc c'est vraiment bienvenu, donc il y a plein de façons de travailler, mais une des façons ça va être de le travailler en situation, et c'est vrai que du coup tu te sens moins seul. Donc juste peut-être pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'EFT, qui découvrent un petit peu ça, mais le principe de l'EFT c'est d'aller stimuler des points bien précis qui sont en fait des points d'entrée ou sortie de méridien d'acupuncture. Donc les points sont situés principalement sur le visage, sur le corps et sur les doigts. Et à ça, on va associer
le verbe, c'est-à-dire la cognition, la pensée. Donc on est vraiment sur un travail des émotions et des pensées. Et il se trouve que quand même, on est fait de ça. C'est-à-dire souvent, c'est un événement, une pensée, une émotion qui entraîne un comportement. Donc on est vraiment là sur un travail à différents niveaux. Et c'est là que ça devient très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler, comme ce matin, on est en situation, il y a un frelon qui rentre dans la pièce, tu sens la peur qui vient, donc c'est le cerveau reptilien qui s'active, d'accord, le cerveau émotionnel qui s'active, et c'est très difficile pour le cerveau rationnel de calmer le cerveau émotionnel. Là, dans des cas comme ça, c'est parce même... que le, voilà, c'est coupé, c'est la communication ne se fait pas, et c'est pour ça que d'analyser, de vouloir raisonner, et je le dis ici, quelqu'un qui a une phobie, ça sert à rien. C'est irrationnel. Je confirme. Et c'est même agaçant en fait. Et c'est même énervant. Je peux rien. Parce qu'on n'y peut rien et on ne se sent pas compris. Par contre, d'avoir un outil comme l'EFT pour travailler sur sa peur, ben là par contre, ça devient intéressant. Parce qu'on n'est plus dans le rationnel à proprement dit, on est d'abord dans l'émotionnel. Le simple fait de stimuler les points d'acupuncture va activer dans notre système nerveux autonome la branche parasympathique. Et en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est que quand le frelon est rentré dans la cuisine, ce qui s'est activé dans ton système nerveux autonome, c'est la branche sympathique. C'est donc l'accélérateur de la voiture. Et quand on a commencé à faire de l'EFT en même temps que tu étais en train d'accélérer, on a envoyé une réponse au cerveau en lui disant « maintenant, quand il y a un frelon, c'est de la détente ». Parce que quand on stimule ces points-là, il se trouve qu'on active le système donc parasympathique, le frein, ce qui est une réponse de relaxation en réalité pour le cerveau. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que... on n'est plus dans un travail rationnel en disant « calme-toi, c'est rien, il ne va rien t'arriver ». Ça ne sert à rien de dire ça. Mais par contre, de faire de l'EFT et de dire au cerveau émotionnel par l'action des points « calme-toi », c'est beaucoup plus puissant. Est-ce que ça va se faire en une seule fois? Pas toujours. Donc, c'est un exercice à renouveler. Et donc, c'est du déconditionnement. Alors, toi qui travailles avec les chevaux, c'est pour ça que je te parlais de déconditionnement ce matin. C'est vraiment quelque chose d'aussi simple que ça. C'est de se déconditionner au fur et à mesure ce cerveau reptilien, ce cerveau archaïque qui s'est activé parce qu'il croit que le frelon, quand il va venir piquer, il y a un danger de mort, etc. etc. ce qui peut arriver peut-être une fois sur mille. Donc ça veut dire que là, la peur, elle est irrationnelle. Parce que quand je t'ai vu partir à travers champs, je me suis dit, ok, on va se voir. Et c'est vrai que quand tu m'as dit, non mais viens, maintenant qu'il est là, fais-le sortir. Non, viens travailler. Ouais, ouais. On profite de la situation. On profite de la situation. Ouais, bah, ça n'a pas été facile, mais en même temps, le fait de le faire, bah, d'être accompagné, parce que c'est vrai que moi, j'avais entendu parler de cette technique, j'ai déjà essayé, mais quand on est tout seul, on ne sait pas exactement forcément quoi dire. Et puis, bah, y a ce que tu viens de dire aussi, c'est que ça ne se fait pas forcément... quand tu as essayé déjà plein de trucs, tu te dis, ouais, bon, encore un truc de plus. Oui, je sais pas pourquoi celui-là, il marcherait plus qu'un autre. Exactement. Et c'est là que c'est, si tu veux, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on est seul, là je t'ai amené à travailler ça parce que j'avais tout ma capacité rationnelle, etc., pour te dire, ok, on fait le travail là-dessus, etc. Mais quand tu es tout seul face à une situation phobogène, c'est plus dur parce que ce que j'expliquais encore tout à l'heure, c'est que le cerveau émotionnel, donc si on prenait une image, en fait, le cerveau émotionnel, ce serait, on pourrait imaginer que ce serait le pouce, le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, il est recouvert par le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, et ça, c'est 95% du fonctionnement. Et le cortex, qui est le dernier cerveau, qui recouvre l'ensemble, on va dire, c'est 5% de notre fonctionnement. Donc toi, avec tes 5%, tu vas essayer de contrôler 95%. Pour ça, j'aime bien parler de l'éléphant et du cornac ou du cavalier et du cheval. C'est pareil. Bon, tu as le cheval et le cavalier, mais le cheval, c'est juste une bête instinctive, émotionnelle. Et si tu n'as pas appris à diriger ton cheval, il va t'amener dans tous les sens. Et donc, c'est ce qui s'est passé ce matin. C'est avec ton cerveau émotionnel, il t'a baladé dans tous les sens. Et avec ton cerveau rationnel de, on va dire, 5%, d'accord, de notre fonctionnement, eh ben c'est très compliqué de pouvoir s'arrêter. Donc c'est vrai que c'est bien quand on a une forte phobie comme ça, de pouvoir être accompagné pour la travailler. Et quand en plus c'est en situation, c'est idéal. Parce que c'est bien possible que si tu te retrouves dans le cabinet d'un thérapeute pour travailler ça, et qu'il te dit d'imaginer un frelon, de penser à un frelon, tu dises « bon, je ne ressens pas grand-chose ». D'accord ? C'est ce qu'on fait en général, hein, d'accord, quand on travaille en cabinet. Mais là, le fait d'être en situation... autant le travailler. Mais ce qu'on explique là pour le frelon, c'est vrai, encore une fois, pour plein d'autres choses. En fait, du coup, les applications, dans le sens plus large, ça peut servir à... Est-ce que tu peux nous donner des exemples, même sur le côté peut-être
professionnelle, la peur de monter sur scène, par exemple. Oui. Ou... Exactement. Par exemple, la peur de parler en public. La peur de parler en public, c'est qu'est une peur quand même. C'est la peur numéro une. Non. D'accord. La peur de parler en public, parce que pour plein de raisons certainement, mais parce que souvent à l'école on a pu être humilié. Il y a tout un tas de raisons, la honte, l'humiliation, etc. Et les études à ce sujet ont montré que la peur en public était la peur numéro une, et elle passe même devant la peur de la mort. Donc c'est dire. Bon, bah, par exemple, pour quelqu'un qui doit parler en public, qui doit prendre la parole en réunion, qui doit faire ce genre de choses, ou faire de la scène, de pouvoir travailler en EFT sur ce que ça génère chez lui comme stress et anxiété, ça va être d'un recours juste génial, parce qu'avant d'aller sur scène, déjà, il a l'outil pour apaiser. Mais il peut aussi travailler de façon préventive et aller chercher toutes les situations où il a vécu un stress sur scène ou une humiliation dans un groupe de parole ou autre. D'accord ? Et de travailler tous ces événements. Parce que quelque part, l'idée, c'est comme on disait, c'est qu'on est conditionné. Donc de dire que notre cerveau, ton cerveau d'une façon ou d'une autre, même si tu ne sais pas comment, il a été conditionné à avoir peur des frelons. D'accord ? Et parfois, c'est un truc qui nous échappe complètement. Peut-être qu'il a été conditionné sans que ça n'ait aucun rapport avec le frelon. Mais c'est comme ça que lui, par association d'idées, il s'est conditionné. Donc, ce qu'on veut, c'est déconditionner le cerveau. Et quelqu'un qui a peur de parler en public, bah, par exemple, peut-être qu'il a été conditionné parce qu'à l'école, en parlant devant la classe, il a été humilié ou des choses comme ça. Il y a plein de raisons, parfois, qui nous échappent. Je me souviens avoir travaillé sur une personne qui avait peur de l'avion. Et en fait, il avait peur de l'avion. Et on avait fait le lien qu'il avait été opéré... il avait subi une opération chirurgicale, et en fait c'était un instant, c'était un moment de vie où on met sa vie entre les mains de quelqu'un quand même, un chirurgien, un peu comme dans un avion. Et le fait d'avoir travaillé sur l'événement qu'il avait mal vécu lors de cette opération a permis d'apaiser la peur de l'avion. Donc toi, tu as réussi à remonter à cet événement-là Disons que par questionnement, par identification de sensations et d'émotions, parce que quelque part, je dis à personne, mais quand vous ressentez ça, quand est-ce que vous vous souvenez avoir ressenti ça la première fois? Et là, parfois, la personne va te dire, bah, ah oui, je me souviens, j'ai vécu ça alors que j'ai vécu une opération à l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec donc l'avion. Sur l'émotion, en fait. A priori. Sur l'émotion, sur la sensation. Et la sensation, par exemple. Peut n'avoir rien à voir avec le truc qui finalement te reste... sur lequel tu vas finalement bloquer ta peur, oui. Finalement. Des fois, elle n'a rien à voir avec elle n'a rien à voir avec l'événement que tu as vécu finalement. Exactement, parce que le cerveau, il ne fait pas la différence. Enfin, dans le sens, je veux dire, il fonctionne par association d'idées. J'allais dire, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire aussi, parce que ça peut très bien être un rêve vécu qui a été très violent. Et dans la réalité, tu te retrouves à avoir une phobie que tu n'avais pas avant. Tu vois, d'accord. Ou une peur de, que tu n'avais pas avant, mais parce que ça a été tellement réel dans ton rêve ou dans ton imaginaire que c'est devenu réel dans la réalité. Donc, on ne sait pas toujours, et quand on travaille en EFT, on ne connaît pas toujours l'origine. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on travaille sur les émotions. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que des fois, tu ne connais pas l'origine. Moi, je sais que je reviens sur ma phobie du frelon, mais c'est vrai que j'ai essayé plein de trucs, mais c'est dès lors qu'on me demande de réfléchir, comme je ne sais absolument pas d'où ça vient. Je l'ai toujours eu, enfin, j'ai le sentiment d'avoir toujours eu en tout cas. Je me suis dit, bon, à part l'hypnose, hein, je ne connaissais pas l'EFT, mais à part l'hypnose, je ne voyais pas ce qui pouvait aller chercher dans l'inconscient. Et là, finalement, on se retrouve avec une technique qui enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai encore à le travailler, c'est évident. Ça m'a fait beaucoup de bien ce matin. Mais donc, ce que tu me dis là, moi, j'ai un ami, par exemple, qui s'est retrouvé un jour, à peu près à l'âge de 20 ans, avec une peur panique parfois en fait même aller faire 500 mètres pour aller chercher le pain, c'est compliqué quoi. Ouais. Alors que c'est quelque chose qui, donc tout ce qui est long trajet, alors je te parle même pas de l'avion, du train, ça c'est impossible, mais du jour au lendemain, c'est à dire que il est incapable de savoir pourquoi, il sait quand s'est produit la première fois où il y a eu cette peur panique, mais il n'arrive pas à faire d'association. D'accord. Et il est bloqué avec ça aujourd'hui. Il ne fait pas le lien. Mais souvent, on pense que c'est arrivé du jour au lendemain. Et en réalité, c'est certainement quelque chose qui s'est préparé dans le temps. Je te raconte juste une histoire comme ça. Mais c'est une histoire, pas forcément qui est arrivée, mais qui pourrait illustrer un petit peu le fonctionnement aussi de notre cerveau à ce niveau-là. C'est souvent cet exemple que je prends. C'est que tu peux imaginer que tu as 5 ans, tu es en train de marcher sur le bord de route, tu t'apprêtes à traverser avec tes parents, et au moment où tu vas traverser, il y a une voiture qui arrive très vite, qui klaxonne, qui met un grand coup de frein, enfin, elle a failli vous renverser, et hop, tu as fait un saut en arrière avec tes parents, cerveau reptilien a très bien réagi, survie, hop, saut en arrière, mais
un peu choqué quand même, d'accord, plutôt pas mal choqué même. À ce moment-là, ton cerveau, il a capté à peu près 5, 6 à 9 situations, objets, odeurs ou des choses comme ça. Mais ton inconscient en a capté des milliers, des millions d'informations. D'accord ? Ne serait-ce que la température, l'espace, les couleurs environnantes, les personnes, etc. 30 ans après, tu te balades dans un supermarché, tu es en train de faire tes courses et tu te fais une crise d'angoisse. Tu ne comprends même pas d'où elle vient. Et là, tu te dis, ça m'est arrivé du jour au lendemain. Mais en réalité, c'est juste arrivé parce que tu viens de croiser la personne qui portait le parfum de la personne qui était à côté de toi le jour où tu avais 5 ans. Toi, tu ne le sais pas consciemment, mais ton inconscient, lui, il a très bien retenu ça. Et ce qu'il sait, c'est que la dernière fois qu'il a ressenti ce parfum, il a failli mourir. Donc, il va activer tout le système de peur, le système sympathique dont j'ai parlé tout à l'heure, et le cœur va battre plus vite, etc., etc. Et là, tu vas te retrouver à faire une crise d'angoisse parce qu'en plus, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive, donc tu vas te faire encore plus peur, etc., etc. C'est comme ça que finalement, par association d'idées, parfois, on se retrouve avec des peurs qu'on ne comprend pas. Et là, du coup, dans ton exemple, est-ce que la personne, du coup, peut se retrouver à avoir... à associer du coup le magasin par exemple ou le fait alors, oui, ou le caddie exactement. Ou j'en sais rien à cette enfin dire faire une ah ben, par la du suite coup, penser oui. Que ça vient de ça, se dire attends du coup j'arrive plus à aller faire mes courses en chercher l'explication on va dire dans cet environnement là alors que finalement bah, l'explication elle a rien à voir elle est ailleurs mais pire que ça c'est à dire que son cerveau émotionnel peut du coup associer l'endroit où il se trouve à quelque chose d'anxiogène. Donc la foule, les grands espaces, ah oui, au-delà des courses, ce genre de il y a choses. Aussi oui, effectivement oui. Tout ce qui est autour en fait. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que plus tard, bah, cette personne se dira ah, « je suis pas bien » parce qu'il va aussi se raconter l'histoire. Il m'est arrivé ça dans le magasin, j'ai peur d'y retourner et donc boum, ça y est, ça devient là aussi un objet phobogène. Et puis il va se retrouver plus tard dans un cinéma, tout se passe bien et là, va savoir pourquoi un autre parfum, on ne sait pas. Un truc qui s'est passé dans le film, une voiture rouge qui ramène au cerveau que c'était une voiture rouge. Et là, boum, crise d'angoisse dans le cinéma. Il aura peur d'aller au cinéma. Et on peut faire des phobies sociales comme ça, de l'agoraphobie ou des choses comme ça. Comme ça, par association d'idées et au fur et à mesure. Je schématise, mais grosso modo, ça peut se passer comme ça. De bien comprendre, effectivement. Donc finalement, c'est une technique qui est vraiment idéale pour... Ouais. Toute situation, même celle qu'on n'explique pas en fait. Même celle qu'on n'explique pas parce qu'on va pouvoir travailler en EFT sur ce qu'on vit dans l'instant présent et c'est d'ailleurs toujours ce qu'on va faire. On va toujours travailler dans l'instant présent. Si demain je te reçois en cabinet pour travailler sur la peur des frelons, je vais te parler éventuellement de ce qui s'est passé ce matin, mais l'émotion que je vais travailler, c'est celle que tu vis dans l'instant présent, pas celle que tu as vécue le jour de l'événement. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, l'EFT, c'est assez facile, mais après, il y a des subtilités, etc. Et juste un mot sur l'hypnose, parce que tu en parlais. L'hypnose, c'est très efficace aussi. Pour y être formé, je ne vais pas dire l'inverse. Mais c'est surtout parce que c'est vrai. Mais il y a à comprendre que quelque part, on se raconte des histoires, en fait. D'accord ? Ton cerveau émotionnel te raconte l'histoire parce qu'il y croit très fort que le frelon, c'est quelque chose qui peut te coûter la vie s'il vient te piquer. Ça peut être douloureux, ça peut être inconfortable, il peut y avoir une réaction allergique. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes très allergiques pour qui ça peut être dangereux. Mais rien ne dit que tu en fais partie. Ah bah tiens, on avait dit qu'on aura peut-être de la visite, tu vois. On a notre visite du jour, donc elle surveille, tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est juste une histoire qu'on se raconte. C'est juste, alors parfois, mais ce n'est pas forcément une histoire consciente. Consciente, bien sûr, oui. Tu vois, mais ce matin, quand on travaillait, tu disais, il va me piquer, je peux mourir, il se pose pas. C'est juste une histoire que tu te racontes. Et c'est ça l'hypnose. Parce que l'hypnose, avant d'être de l'hypnose, finalement, c'est de l'auto-hypnose. Et comme tu te racontes l'histoire que tu vas mourir, que tu vas te faire piquer, machin, ton cerveau, il fait très bien son job. Il dit, putain, l'histoire qu'elle est en train de me raconter, c'est juste que je vais crever si le frelon vient me piquer. Donc, je vais activer tout le système pour ça. Mais si, imagine, tu te racontes une autre histoire. Imagine que tu te racontes que ce frelon, il ne t'a même pas vu, il ne te capte même pas. Tout ce qu'il veut, c'est sortir de la pièce. Parce que là, il n'est pas dans son environnement, il a peur de toi. Et que c'est toi le danger pour lui. C'est si tu commences à te raconter cette histoire, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que le frelon, tu vois. Ceci dit, il y a toujours cette peur archaïque et reptilienne. Moi, je n'ai pas peur des frelons, je n'ai pas peur des souris, je n'ai pas peur des araignées. Mais s'il y a une araignée qui me tombe dessus, je vais avoir un réflexe de peur. D'accord, donc ça, c'est un truc qui et reste ça, et normal. Qui est normal. D'accord. Ça, c'est plutôt bienvenu. Ce qu'on cherche en général à se libérer, c'est la peur irrationnelle qui empêche qui de faire... Irrationnelle, qui te bat en courant, tu fais n'importe quoi. Voilà. Si tu ne peux pas profiter de ton cadre ici qui est idyllique parce qu'il y a des frelons, c'est dommage quoi. C'est clair. Tu vois?
Donc l'idée, ça va être après, bah, évidemment, d'apprendre ces techniques. Donc en ce qui concerne l'EFT, c'est une technique qui est assez simple. Par contre, elle n'est pas simpliste. C'est vrai que c'est bien d'avoir les ficelles. Oui, bah oui, je peux m'en rendre parce que moi, je m'étais déjà rendu compte. Donc déjà, si quelqu'un qui, bon, quelqu'un qui connaît pas ou qui a entendu parler juste comme ça, où est-ce qu'il peut retrouver justement des, voilà, alors, pour trouver des infos sur comment faire l'EFT, des modes d'emploi. Ouais, ok. Y a plein de trucs. Hein, on peut trouver partout sur Internet. Il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet. Mais après, quelqu'un qui a envie de faire, enfin, moi, si je prends les personnes qui ont un type de personnalité comme moi, j'ai envie d'avoir un truc pratique, rapide. Je sais que tu as fait quelque chose. Moi, j'ai fait un document très pratique, très simple. C'est-à-dire que je propose de récupérer l'EFT en une seule page. Donc, ce que j'ai appelé finalement l'anatomie d'une parfaite séance EFT, où je décris 5 étapes très simples à mettre en place. J'explique tout le protocole à mettre en place pour qui veut juste déjà avoir le truc et travailler dessus. Parce qu'en fait, c'est ça. On peut aller dans l'étude de l'EFT pour bien le maîtriser. On peut pratiquer l'EFT, on peut maîtriser l'EFT. J'invite les gens à maîtriser l'EFT. Parce que quand tu maîtrises l'EFT, eh ben, tu peux travailler sur n'importe qui autour de toi. Et moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations, sans parler que je sois thérapeute ou quoi, mais de me retrouver dans des situations où je suis venu aider des personnes qui étaient en panique, et en leur disant « stimuler ici », en les accompagnant, etc. Donc là, c'est quand même très intéressant de le faire pour ses enfants, etc. Mais déjà, commencez par récupérer ce document, donc, qui s'appelle « Anatomie d'une parfaite séance EFT », où je partage les 5 clés. Pour là, le coup, il suffit d'aller sur mon site. Et donc ton site, si tu peux nous rappeler, on mettra… On mettra les liens peut-être. On mettra les liens, bien d'accord. Sûr. Ouais. Donc juste récupérer ça. Et après, les personnes qui veulent aller plus loin, parce que c'est vrai que c'est bienvenu d'aller plus loin, mais là, j'ai carrément créé une formation en ligne sur comment pratiquer l'EFT. J'ai fait en sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Et là, c'est une formation évolutive, c'est-à-dire qu'il y a dedans 13 vidéos pour bien pratiquer l'EFT avec des supports de cours, etc. Il y a évidemment un espace de commentaires, il y a une page Facebook privée, mais surtout, c'est une formation qui va évoluer. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est pouvoir créer aussi une communauté de personnes qui, grâce à ces outils, vont s'autonomiser, tu vois, et pouvoir gérer leurs émotions. Parce que tu le disais tout à l'heure, ça peut être utile au travail. Ça peut être utile partout. C'est ça que quand on parle, on se dit bah, les applications, les exemples d'applications paraissent vraiment multiples en fait. C'est infini. C'est infini. Je me suis retrouvé, tu sais, quand j'ai fait un film d'ailleurs, on pourrait en parler presque. Oui, aussi. C'est vrai d'ailleurs. J'ai fait un film sur l'EFT qui s'appelle Les émotions au bout des doigts. Mais super pour film. Faire ce genre de truc, j'ai été interviewé des grands noms du développement personnel. Je parle à Christophe André, je pense à Christophe André, Thierry Janssen, Thomas Dansbourg. Bah, moi, avant d'y aller, j'étais flippé, j'avais peur, quoi. J'étais angoissé à l'idée d'interviewer ces gens-là, parce que je ne suis pas journaliste déjà, et puis en plus c'est pour un film qui passe au cinéma et tout, enfin, c'est impressionnant, je ne viens pas de ce monde-là au départ. Donc je suis bien content d'avoir l'EFT et de pouvoir me mettre dans mon coin pendant 10-15 minutes et stimuler, laisser partir cette peur pour pouvoir faire le job que j'ai à faire. Donc c'est vraiment utile dans énormément de situations. On parlait tout à l'heure des frelons et tout. Je me souviens que ma fille avait marché sur une guêpe, elle s'est fait piquer et elle avait super mal. Tout de suite, je lui ai fait faire de l'EFT. Dans les 5 minutes, elle n'avait plus de douleur. En fait. Ouais, même pour la douleur, c'est assez efficace. Parce que ça, on n'en a pas parlé, effectivement. Non. Je ne savais même pas que c'était… Pour la douleur, j'en parle pas toujours parce que je ne veux pas laisser croire aux gens qu'il faudrait s'éviter d'aller voir le médecin ou des choses comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment d'aller voir son médecin, de prendre le traitement et de ne jamais rien arrêter, quoi que ce soit. Mais il est clair que… En EFT, on peut travailler la douleur. Oui, là, je ne parlais pas forcément de guérir, mais déjà, effectivement, la situation que tu décris, c'est une situation qui est aussi émotionnelle. Et oui. Que, elle est douloureuse, mais elle crée une émotion. Donc, exactement. Forcément, si déjà on arrive à calmer une des deux parties, c'est déjà pas mal. Il y a une peur souvent, parce que la douleur, elle est physique et émotionnelle. Quand tu fais piquer, ça fait mal, mais en plus, tu as peur. Enfin, il y a une peur qui vient. Et donc, là, avec ma fille, je me souviens, hein, c'était à 3-4 ans de ça. Faire de l'EFT là-dessus, dans les 5 minutes, la douleur avait disparu. Alors c'est génial. Sans rien mettre. Non seulement ça avait la douleur disparue, mais en plus, tu évites peut-être un ancrage ou un conditionnement. Ouais, exactement. Exactement. Donc ça, c'est double effet qui se coule. Merci de le préciser parce que c'est exactement ça. On évite un ancrage, c'est-à-dire justement cette association d'idées que le cerveau pourrait faire en se disant « j'ai généré une phobie par rapport à ça pour protéger la personne ». Donc ça c'est vraiment génial. Et c'est vrai que je reviens sur ce que tu disais juste avant. Tu disais, toi, tu as créé donc une formation qui permet… Alors déjà, bon, moi, je trouve que le support vidéo et tout ça, c'est génial parce que
lire des longs textes, c'est... Enfin, puis là, en plus, il y a quand même des points à stimuler. C'est pas évident de voir exactement où, donc c'est bien d'être accompagné. Tout est détaillé, là. Ouais. Mais l'autre point que tu as souligné, c'est le fait d'avoir un groupe Facebook, donc où tu peux répondre toi aussi aux questions que les gens vont se poser. Parce que moi, si je prends mon cas, moi, j'ai déjà suivi donc, une journée, on va dire, d'initiation, on peut pas dire de formation, hein, mais d'initiation à l'EFT. Je reconnais, hein, j'ai pas accroché là-dessus. Mmh. Ça me paraissait long, ça me paraissait... ennuyeux, moi j'aime bien ce qui est fun. Alors bon, j'aime bien, c'est pas là pour être fun, mais en même temps. C'est assez fun ce qu'on a fait ce matin. T'as quand même, voilà, t'as quand même réussi à me faire rigoler ce matin devant un frelon qui tournait en haut, dans mon plafond. Donc bon, j'avoue que c'était quand même. Ça peut être fun. C'était quand même assez énorme. Donc c'est bien la preuve que ça y a vraiment eu un effet. Mais c'est surtout que tu m'as montré que tu m'as pas fait faire tout un protocole tel que j'avais pu le voir. On a stimulé quelques points. Alors je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais tu me fais pas faire tout le truc. Ça me paraissait. Pas agréable à faire en fait, et là tu m'as rendu le truc fun en me disant mais non, t'es pas obligé là s'il y a des situations d'urgence. Mais c'est vrai que c'est important, je pense qu'on puisse se poser la question, enfin te poser la question, de dire moi j'ai vécu telle situation ou j'ai telle problématique, ok, j'ai compris le protocole, j'ai compris le fonctionnement, effectivement, comme tu dis, c'est pas compliqué, ça reste même assez simple. Mais quand tu dis c'est pas simpliste, effectivement, oui, parce qu'il y a quand même des petites subtilités à connaître. C'est ça. Et on en a eu l'exemple ce matin. C'est ça, il y a des subtilités à connaître. La formation que j'ai faite, elle est là. Si tu veux, quand la formation, elle est intéressante dans le sens où justement, quand tu suis cette formation, tu comprends ce que tu fais. Donc, quand tu comprends ce que tu fais, ça va plus vite parce que tu vas à l'essentiel. Donc là, c'était plus facile. Ce matin, j'étais directement à l'essentiel parce qu'on est en situation, la peur, elle est là. Donc, il n'y a pas tout le travail de recherche, de pourquoi j'ai peur, etc., que tu devrais faire si tu te disais, ben, aujourd'hui, je vais travailler pendant 20 minutes sur ma peur du frelon, donc j'identifie les événements, j'identifie les émotions. Là, on est en situation, donc je ne vais pas te prendre la tête, je ne vais pas te poser de questions, je vais juste te dire, ok, on y va, on stimule les points, on fait les phrases. En plus, c'est moi qui te guide, c'est plus simple, c'est plus facile. Mais justement, le but de cette formation, ce n'est pas juste de pratiquer l'EFT, c'est de la maîtriser. Donc, quand on a suivi cette formation, et je ne suis pas en train de dire quand on l'a suivi une fois, quand on l'a suivi, quand on a posé des questions dans le groupe, parce que dans le groupe Facebook privé, effectivement, je réponds aux questions. Je fais des lives, là, samedi prochain, je donne un live pour cette formation pour répondre aux questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les commentaires de la formation, mais je veux y répondre aussi en live. Accès, voilà. Je veux aussi leur répondre en live parce qu'ils vont pouvoir rebondir et je vais pouvoir répondre aux questions. Donc, cette formation, ce n'est pas genre juste une formation que je mets là et vous vous démerdez avec ça. Il y a un suivi derrière, il y a un accompagnement derrière et encore une fois, elle est évolutive parce que je vais rajouter, par exemple, l'EFT avec les enfants ou des choses comme ça. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus simple qu'on se l'imagine, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on a pris le temps d'en connaître les subtilités et les ficelles. Mais ça peut être fun. On a quand même bien rigolé ce matin avec cette histoire de frelons parce que quelque part, c'était pourquoi je t'ai amené aussi à déconner là-dessus, pour dire à ton cerveau émotionnel, mais en fait, un frelon, c'est pas juste un truc qui fait peur, c'est aussi un truc sur lequel je peux rigoler. Et là, c'est peut-être aussi des techniques un peu de recadrage ou d'hypnose, etc. Mais on fait aussi ça avec l'EFT, donc ça devient intéressant. Et tu as remarqué un truc aussi peut-être, c'est que, d'ailleurs, ça t'a marqué certainement parce que tu m'as fait la remarque ce matin. Et là, je le dis, parce que des fois, il y a des personnes qui s'imaginent que l'EFT, c'est de la pensée positive, etc. Or, en EFT, on travaille sur ce qui est dérangeant. Et ce matin, je t'ai dit, quand on commence à faire de l'EFT, on fait une phrase et j'ai dit à Anne-Sophie, même si le frelon peut me tuer, voilà, si je peux mourir, elle s'arrête, elle me dit, je veux pas dire ça, mais si, parce qu'en réalité, c'est ça qui fait que tu as peur. Et ce qu'on veut, c'est défaire les connexions neuronales qui se sont créées par rapport à cette peur et les remplacer par de nouvelles connexions neuronales qui sont des connexions justement plutôt de détente, d'apaisement. Donc, si je travaille en disant « je vais bien, tout va bien, le frelon, il n'est pas si méchant, machin », ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est défaire la peur. Donc, il faut d'abord l'évoquer, la peur. Et ensuite, ce que j'apprends aussi dans la formation, c'est qu'au bout d'un moment, par contre, on vient faire du positif. Donc, on est vraiment dans cette idée de déconditionnement. Oui, puis c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, sur la petite journée d'initiation que j'ai eue, effectivement, on avait... parler de ces phrases, etc. Donc, comme on a vu ce matin, mais quand tu es en situation, c'est facile quand tu es à distance et que quand tu n'es pas dans le moment, mais quand tu es dans la situation, tu as l'impression que tu vas renforcer le truc en fait à dire ça. Alors que, oui, alors c'est que finalement, ça. Mais attention, parce qu'il faut le dire en stimulant les points. Oui. On est d'accord. Parce que si tu le dis
Le frelon va me tuer, le frelon va me tuer, il va me piquer, je vais mourir, machin. Oui, C'est juste là, pour sensible le et coup, tu point. renforces ton sillon neuronal, on va dire, de la peur. Mais si tu stimules en même temps, on a bien dit tout à l'heure que c'était une façon de déconditionner. Déconditionner. Donc là, pour le coup, tu ouvres un autre chemin. Et à force de le faire, tu vas te rendre compte que ton frelon, de plus en plus, pour ça, je t'invite vraiment à continuer, mais même sans forcément attendre qu'il y ait un frelon, Oui, bien d'accord? sûr. Mais en regardant Bien des sûr. images de frelons, des photos, des trucs comme ça, on commence comme ça souvent au départ. Et à partir de là, tu vas déjà conditionner, ouvrir un autre chemin que ton cerveau va pouvoir emprunter. Donc il y a mille choses à dire sur l'EFT, c'est pour ça que j'ai fait cette formation, qui est en même temps très simple, mais qui est faite d'études de cas, qui est faite d'explications comme ça très précises Oui, sur ça c'est comment important aussi, ouais. pratiquer. Et après, ben, à force de le faire, effectivement, ça devient naturel et instinctif. Et quand tu es en situation, ben, tu sais tout de suite où aller, que faire. Tu ne te poses plus de questions. Génial. Donc là, la première chose, donc c'est à découvrir, c'est déjà le petit document que tu as fait en 5 points. Pour, enfin, pour ceux qui veulent découvrir, si vous n'avez jamais entendu parler d'EFT, même si on a déjà entendu parler en fait, hein, parce que moi la première, j'avais entendu parler, j'ai même suivi une journée entière d'initiation, j'ai pas super accroché, et c'est le fait de le redécouvrir avec toi qui m'a donné vraiment envie de. Enfin, qui m'a montré que bah, si, d'abord, un, c'était pas forcément l'idée que je m'en étais faite, mais il y a quand même quelques notions à avoir et c'est accessible, c'est ça qui est génial quoi. Tu sais, c'est normal après qu'il y ait des réticences au départ. Moi-même, hein, au départ, je ne voulais pas y aller. Je me trouvais que c'était un truc de charlatan un petit peu parce que dans le manuel que je lisais au départ, ça avait l'air tellement simple, tellement facile, tellement efficace. Je me C'est vrai que disais, c'est ça qui est un petit peu perturbant. tu Tu vois, dis, on c'est n'y pas, ça ne croit peut pas pas. être aussi simple que ça, quoi. On n'y croit pas. Même parce que quand tu lis les documents là-dessus, les livres et tout, on te parle de cas qui ont des réussites incroyables, des trucs hallucinants, des gens qui ont essayé de réparer des trucs depuis 50 ans, des peurs, etc. Et tu te dis, ouais, bon, c'est un peu facile, quoi. Je suis pas un lapin de 6 semaines, on va pas me la faire à moi. Et moi, je l'ai vécu comme ça au départ. Ben oui, Et je je suis comprends. revenu, parce que quand on souffre, on revient quand même toujours un peu on cherche toutes les solutions, et il se trouve que celle-là m'a beaucoup dépanné. Et donc, peut-être juste laisser s'ouvrir son esprit, aller explorer, et surtout, essayer, pratiquer, avec l'esprit ouvert, et se rendre compte qu'on peut avoir des résultats assez étonnants. Génial. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc toi, tu peux me rappeler le site sur lequel on peut retrouver, parce que comme tu Oui, l'as dit, tu fais pas que de l'EFT. oui. Toi, t'es oséologue, donc Osérologue. Osérologue. Oui. oséologue. Osérologue. J'accompagne les gens à oser. Et moi-même, je m'accompagne aussi, hein, parce qu'évidemment, je suis comme tout le monde, des fois, j'ose pas. Ah, ça, c'est le problème quand tu dis que tu es osérologue et que tu n'oses pas, on te dit, mais tu es osérologue. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses que j'ose pas encore faire. Tu sais, le médecin tombe malade aussi parfois. Ça arrive, bien que je ne le sois pas, mais je suis osérologue qui n'ose pas toujours. Mais par contre, c'est justement ça. Des fois, on me dit aussi, tu es expert en machin. Je suis surtout expérimentateur, en fait. D'accord? J'adore cette notion Voilà. d'expérimentateur. J'expérimente. Je suis parfois aussi en échec, en souffrance, mais par contre, j'essaye vraiment de développer, et c'est à ça que j'accompagne les personnes, parce que les personnes que j'accompagne sont aussi. J'ai un peu la casquette du thérapeute, effectivement, en travaillant avec l'hypnose, l'EFT, dans le domaine de l'accompagnement, des stress, anxiété, angoisse, phobie et autres, mais j'ai aussi la casquette du coach, et donc c'est là souvent que j'emploie le terme d'osérologue, coach, osérologue, où là j'accompagne les porteurs de projets à s'installer, à se réaliser. Et d'ailleurs, beaucoup les thérapeutes qui souvent souffrent du syndrome de l'imposteur, du sentiment de ne pas être crédible ou légitime, à oser se lancer malgré tout, ou à passer au niveau supérieur. Et pour ça, tous ces outils sont juste précieux, hypnose et EFT. Mais l'EFT, l'avantage, c'est que c'est très facilement mis en place. Ma gamine avait 5 ans, elle faisait de l'EFT déjà. Donc on peut retrouver tout ça, donc tous ces outils, tout ce que tu partages, en fait on va le retrouver sur ton site. Alors oui. C'est donc Sur mon site, philosophie. alors il y a le site, c'est le philosophie.com, c'est le blog, où là il y a beaucoup d'articles sur justement oser être, entre autres. Et puis il y a mon site internet, où là c'est stevedoupeux.fr, tout simplement. Pareil, on mettra dans les sur la vidéo, dans les commentaires en dessous Avec plaisir. tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir de le découvrir. Bah, déjà en direct live ce matin. Ouais, on peut pas faire mieux là. Là, pour le coup, en termes de découverte, on était au taquet. Et je pense que ça peut vraiment accompagner beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, j'espère que Steve vous aura apporté l'envie de découvrir, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, l'envie de découvrir. Pour ceux qui ont connu, comme moi, peut-être juste entendu parler sans oser aller plus loin, justement, oser. Eh oui. C'est le moment d'oser aller vers l'EFT et puis vers les autres.
les autres Il outils que y a tu plein d'autres partages outils également. après, hein, parfois. Et puis, il y a des personnes peut-être qui n'aimeront pas l'EFT, mais c'est bien de se donner la possibilité d'essayer. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Et puis, eh ben, on va oser encore plein de choses. Oui, on a des choses à faire ensemble. On a plein de choses à faire. On est en train de préparer des choses, pour tout dire. C'est... Alors, on est mitigé, hein, on à en dire, parle, on n'en parle ou pas, on on n'en ne sait parle pas, pas. On si ne on sait en pas parle trop ou si on doit pas. vous en parler tout de suite. Mais en tout cas, on va vous en parler bientôt. Mais on peut déjà dire qu'on prépare un week-end. Ça, on peut dire, On peut le dire. effectivement. On peut dire qu'on prépare un week-end qui va être Rapidement, hein, d'ailleurs. très rapidement. Cet été. Mais Très, très rapidement. on va pas tout vous dire. On peut dire que le cadre qui est ici fait partie du week-end. Oui, Ça, on peut le dire. on peut le dire. Et On puis peut là. aussi dire que tout à l'heure, je parlais de raconter des histoires. Et je pense, fond du cœur, et je sais que toi aussi, puisque c'est pour ça aussi qu'on fait ça ensemble, que la notion de légende personnelle, est importante. Très importante. L'histoire qu'on se raconte, notre histoire et celle qu'on écrit aussi. Donc, il n'est pas impossible qu'on vous propose quelque chose de l'ordre de la légende personnelle dans un cadre juste incroyable avec la nature. Non, on va en garder sous le On va pied. en regarder un petit peu Ouais. quand même, pas tout dire maintenant. Ok. Hein? Si vous voulez en savoir plus, vous envoyez un mail et puis on vous enverra tout ce qu'il faut. Vous serez les premiers avertis. Voilà, donc bah, il n'y a plus qu'à oser et nous en tout cas on va oser le faire, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis on verra qui ose nous rejoindre dans l'aventure. J'ai pas de doute. Il va y avoir du monde parce que vraiment, ce qu'on va vous apporter ici, justement, on parlera certainement de EFT, mais beaucoup d'autres choses. Les connaissances d'Anne-Sophie sont juste énormes également. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre et à expérimenter. Et justement, il faut qu'on cale tout ça dans un seul week-end. Finalement, ça va être intense, je Ça va pense. être intense, mais peut-être qu'on ne se contentera pas d'un week-end sur de prochains événements. Ouh là Ouh là, on là ne peut pas là. trop en dire. Gardons un petit peu le mystère. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à bosser sur tout ça et puis à, ben, voilà, à expérimenter ce matin. Et du coup, ben, ça c'est l'opportunité de faire cette interview, elle s'est juste présentée. Ben, c'est le frelon qui nous l'a amené finalement. C'est le frelon. Vous Voilà. aviez dit, oh, il faut en parler de cette technique. Absolument. Donc voilà, merci, merci au frelon. Et merci à toi d'avoir joué le jeu en fin de journée comme ça. En plus, je sais que ta On a, journée était quand même bien intense. ouais, mais toi aussi. On a beaucoup, beaucoup fait de choses aujourd'hui. Mais merci à toi de m'avoir invité jusqu'ici. Et puis, il me tarde qu'on retrouve tous nos amis dans ce cadre absolument incroyable. Et j'en profite pour remercier Logan qui est derrière la caméra et qui s'est occupé de toute la technique ici. Voilà, Logan que j'ai présenté sur ma propre chaîne YouTube, Facebook, pardon. Mais donc, je vous invite à aller voir de quoi Et qui a il en osé, retourne justement, et que qui a tu as osé. invité à oser se lancer. Donc, merci beaucoup. Voilà. Merci à tous les deux. Et puis, ben, à très très bientôt. À bientôt, bye bye. Bye bye.